Voor mijn Joodse collega was natuurlijk een trein nemen, een tram nemen. Alles was gevaarlijk. Hè? Voor mij was het niet zo gevaarlijk. En wanneer u 25 jaar oud bent, hebt u geen schrik, vind ik. André, elle faisait partie d'une chaîne composée de femmes, une douzaine de femmes, juives et non-juives, qui se sont mobilisées pour venir en aide aux enfants. Eh bien, toutes ces femmes formaient le noyau dur du comité de défense des Juifs. Souvent, dans la résistance, en général, les femmes jouaient des rôles subalternes. Dans le CDJ, c'était des femmes du haut en bas de la hiérarchie. Eh bien, je dis, ce comité de défense des Juifs, elles ont réussi à cacher près de 3000 enfants en pleine guerre. Et c'est André qui, parce qu'elle a vécu le plus longtemps, puisqu'elle va avoir 100 ans, qui a pu nous raconter tout ça. J'étais caché au couvent Saint-Joseph à Gilly. Et André Goelen est venu me chercher au couvent pour transférer mon frère et moi du couvent au Omrin Elisabeth à Jamoigne. Pourquoi? Parce que il semblait que les Allemands feraient une descente au couvent, chose qu'ils ont fait dans différents couvents. Ils venaient le soir ou le matin, ils enlevaient la couverture pour voir si vous étiez circoncis. Tu devrais écrire tout ça. Je dois avoir certainement des extraits de trucs que j'ai écrits à l'époque, mais je ne me souviens pas aussi bien que toi. Mais c'est parce que tu t'es bien souvenu et que tu me l'as raconté que je peux te le raconter aujourd'hui. Oui.